7h45, l'heure de l'interview Vérité. Thomas, vous recevez ce matin le père Nicolas de brémond d'Ars Prêtre catholique du diocèse de Paris, mais aussi sociologue et chercheur associé au Centre d'études en sciences sociales du religieux. Bonjour Nicolas de brémond d'Ars Bonjour Thomas Soto. La conférence des, des évêques de France a choisi donc de ne pas choisir hein, pour ce second tour de la présidentielle, pas de soutien à l'un ou l'autre des candidats. Est-ce que vous vous êtes à l'aise avec ce non-choix à titre personnel, moi j'ai déjà fait mon choix, c'est-à-dire que je, je suis obligé de, de sélectionner un candidat. Euh, comme disait euh, le général de Gaulle, euh, au deuxième tour, euh, on élimine. Mm -hmm. Donc on élimine un, un candidat. Donc vous, vous éliminez qui Excusez-moi, sujet... à titre tout à fait personnel, je ne peux pas voter Marine Le Pen. Ça, c'est pas possible. Donc, donc vous voterez Emmanuel Macron Donc je voterai Emmanuel Macron. Éventuellement, si euh, la situation change, je voterai blanc. Mais je ne peux pas voter Marine Le Pen. Mmh. Est-ce que vous êtes à l'aise donc avec ce non-choix Je vous pose la question de la conférence des évêques de France, qui elle ne tranche pas. Je ne suis pas très à l'aise, mais je le comprends. Je comprends dans quelle situation difficile ils sont. La première euh, raison, c'est que euh, 44% des catholiques pratiquants ont voté pour M. Fillon. Mmh. Et donc, pour la première fois dans, dans les élections présidentielles, les évêques se retrouvent avec une population pratiquante qui n'a pas de candidat puisque M. Fillon a été éliminé, donc ils n'ont pas de candidat. Donc il faut qu'ils se reportent sur d'autres candidats. Et, euh, et là, l'élection révèle qu'il y a des tiraillements au sein du catholicisme. Qu'il y a les catholiques pratiquants qui ont voté à 44%. Je précise que le chiffre que vous donnez à 44%, c'est le résultat d'un sondage, pardon, Harris Interactive pour la Croix. Pour la Croix, voilà, c'est ça. Ce ne sont pas des et, statistiques catholiques. Il y a d'autres catholiques qui sont des catholiques occasionnels ou des catholiques non pratiquants qui, eux, sont répartis sur, le, les, sur tout le spectre des, des votes. Et en particulier, certains nombres d'entre eux sont du côté de l'extrême droite, d'autres plutôt de la, de la gauche ou de les voir même mmh. peut-être du côté de M. Mélenchon. Et donc euh, les évêques sont crucifiés en disant mais qui va-t-on choisir, qui va-t-on privilégier Je voudrais qu'on qu écoute ensemble ce que disait Emmanuel Macron hier soir sur TF1. Ne pas se positionner, c'est décider d'aider Mme Le Pen. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Probablement. Je ne suis pas spécialiste des analyses électorales, mais probablement. Mmh. Donc la conférence des évêques de France, en ne se positionnant pas, aide Mme Le Pen je pense que quelque part, oui parce que en, en, en grande partie il faut savoir que sur les sur les pratiquants qui sont qui sont là et qui ont voté pour monsieur Fillon une partie va se reporter sur Mme Le Pen. Mmh. Mais alors euh, pas la majorité. On, on fait évidemment une comparaison avec euh, avec 2002 à l'époque le président de la Confédération des, des évêques de France monseigneur Ricard et une vingtaine d'évêques avaient pris position contre Jean-Marie Le Pen, idem pour le cardinal Lustiger. Euh, Qu'est-ce qui a changé finalement en 15 ans C'est l'église qui a changé ou c'est le Front national Non, c'est l'élection qui a changé, c'est-à-dire que le parti monsieur Chirac représentait d'une certaine manière, le parti des pratiquants. Mm. Donc, euh, à partir du moment où vous avez, euh, pour la majorité des pratiquants catholiques, vous avez un, un candidat qui, repris, qui est plus ou moins en accord avec leurs valeurs, il n'y a aucun problème. On peut euh, très facilement rejeter Marine Le Pen. Aujourd'hui, la, la situation est complètement différente. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile. En plus, euh, rajoutons que M. Macron représente plutôt le vote urbain et que Mme Le Pen représente plutôt comme dirait Christophe Guidouille, la, la France périphérique. Mm -hmm. Et donc, vous comprenez bien qu'un euh, qu catholicisme qui veut recouvrir tout le spectre du peuple français ne peut pas choisir entre ville et campagne. C'est impossible. Et en même temps, il y, des, il y a des catholiques qui sont beaucoup plus engagés. Christine Boutin, la fondatrice du Parti Chrétien Démocrate, qui votera Marine Le Pen. Bien sûr, c'est ce, ce dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'une partie des, des votes, du vote Filloniste va se retrouver mm. chez Marine Le Pen, mais une autre partie va se retrouver chez Emmanuel Macron. Mm. La manif pour tous qui dit Macron est beaucoup plus dangereux que Le Pen sur les Question humaine et sociétale qui pour nous passe avant tout. Donc appelons à ne pas voter pour lui. Euh, je peux aussi vous citer Sens Commun qui dit que c'est choisir entre le chaos Le Pen et le pourrissement Macron, bien sûr, parce que vous, parce que c'est ceux-là qui prennent la parole et qui c'est ceux-là qui sont les plus actifs sur les sur les réseaux. Mais euh, quand vous regardez la sociologie des votes, vous mmh. voyez euh, euh, qu'il y a toute une frange de catholiques euh, plutôt de centre ou plutôt à gauche qui ne qui ne s'exprime pas, mais qui sera de ce côté-là. Mmh. En même temps, est-ce que c'est vraiment le rôle de, de l'Église d'avoir une position de faire de la politique Non. Non. On, comment se fait-il qu'on en arrive là que tout le monde s'interroge finalement sur une position ou une non-position C'est un dévoiement ça ben Non, mais parce qu'en France on aime bien, euh, on s'intéresse beaucoup à la politique, il n'y a qu'à voir le, le, le taux d'abstentionniste qui est quand même pas très très élevé alors qu'on en prédisait plus grand. Et, et parce qu'il euh, faut que les débats s'organisent en termes binaires. Et donc il faut absolument que toutes les forces sociales se résument à ce débat. Mmh. J'ai regardé un peu ce qui se passait dans, dans les autres religions. Le grand rabbin de France, Haïm Corsia, appelle à voter Macron. La LICRA oui. pour la première fois de son histoire en 90 ans a choisi son Candidat, c'est le même. La Grande Mosquée de Paris sa Fédération nationale appelle les musulmans de France à voter Macron. Je juge pas, mais pourquoi, selon vous, eux choisissent et pas vous Peut-être euh... Parce que là aussi, il y en a qui ont voté Fillon, il y en a qui ont voté Macron, il y en a qui ont voté Mélenchon, y a, voilà, au premier tour. Euh, parce que je pense que leur euh, la sociologie doute de, doute de, leur, euh, le Pen, de, de leur fidèle n'est pas, pas répartie de la même façon. Et on, on peut difficilement, euh, quand vous vous trouvez euh, curé d'une paroisse dans l'Amiénois, dans les Hauts-de-France, quelque part, vous pouvez difficilement dire, alors que vous avez 40% de, de vos paroissiens qui votent pour euh, l'extrême droite, et autrefois, c'était le Parti communiste, d'ailleurs, mmh. dans ces régions-là. Eh bien, vous pouvez difficilement condamner le... vos paroissiens. Sauf qu'il y a 15 ans, Monseigneur Ricard disait que les thèses du Front National étaient incompatibles avec la bonne nouvelle et l'enseignement ah, de l'Église. oui, mais je vous ai dit, c'est parce que M. Chirac était, euh, représentait plus facilement les valeurs de la le... catholique. Vous allez en parler Les prêtres vont en parler dans leur prêche dimanche de cette élection présidentielle Certainement pas, parce que depuis très longtemps, les, les catholiques nous demandent de ne pas faire de politique. Mmh. Donc, euh, ça sera allusif, mais on n'en parlera pas. Merci beaucoup Nicolas de Brémondars d'être venu ce matin en, en direct en prie, sur Europe 1 et bonne journée à vous.